Salut à tous, c'est Effectuate, on se retrouve sur les Sims 4 avec la famille 8. Et en fait j'ai lancé directement le jeu, j'ai chargé avec Nifex. Et ça m'a emmené je crois au restaurant, et surtout j'ai cette panneau d'affichage qui s'est lancé. En fait le résumé du restaurant, parce que le restaurant peut fonctionner apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, sans qu'on y soit quand on est en dehors. Et là en l'occurrence du coup, vente 1200 Steam Flows, j'ai perdu 690 d'ingrédients. Enfin perdu, les frais de gestion on va dire. Bénéfice des repas 600$, et du coup genre il y a 601 Steam... bien sûr Nifex, 601 Steam Flows qui sont rentrés. Ils sont tous là, a priori, ou est-ce qu'ils m'en... Non, il m'en manque. J'avais deux cuisiniers, deux serveurs, plus le majordome. Donc j'aurais dû en avoir, en tout cas un de plus, même... ouais, en tout cas un de plus, je crois. Si pas de bêtises. Je sens que je suis fait arnaquer. On va voir ça tout de suite. Et du coup, on retourne au délice, les amis. Je suis content que ça... Oui, ça enregistre. Ça aurait été un petit peu gênant. Donc, 2,5 étoiles. Je sais plus du tout combien on avait. Donc, je sais plus si on a baissé, monté. On verra bien. Nouvel abonné. Coucou à toi, petit abonné. N'hésitez pas à vous abonner sur ma galerie. Bien sûr, c'est Nifex 8, tout bêtement. Ok, d'accord. Je suis même pas restaurant, en fait. Je sais que j'étais au restaurant, mais non. En fait, c'est juste à charger. Du coup, Nifex, rentre plutôt à la maison. On va faire une chose après l'autre. On va rentrer à la maison. Et après, on va partir au restaurant, voir un petit peu ce qui s'est passé. Parce qu'apparemment, c'est un petit peu le bordel. Je sais pas, on verra ça, faut voir si... à mon avis, il y a des gens qui sont partis, chose qui mange vraiment pas. Parce que le problème, c'est que si les gens partent, faut les reformer, et ça, ça coûte très très cher et ça prend du temps. Donc on verra ce que ça donne. Point de l'oracle des jumeaux. T'as jamais modifié le nom de la maison, c'est vrai. Enfin, moi, tout ça, je pense que les jardiniers sont là, parfait, y'a pas de soucis, tout va bien. Alors, Nifex, c'est en tout sens. Pas très bien, a priori, c'est un peu 1h du mat, c'est normal. Vessie, fin, mais écoute, tu vas vite à l'auto-hête, mange un petit truc, faire dodo, et comme ça, on partira demain au restaurant. Ils sont vraiment un petit peu si on peut l'améliorer. Écoutez, c'est un peu l'objectif du jour. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je sais pas si j'ai prévu de faire autre chose à la base ou pas, mais bon, on va partir là-dessus. Ça me va très bien. Enfin, il y a des trucs qui sont cassés, je crois. D'abord, une chose après l'autre. Oh, on a plein de bouffe ici. On a plein de délicieuses nourritures. Donc, prends-moi ça, s'il te plaît. Fais ça bien. Qu'est-ce qu'il y a comme potions? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a des potions jeunesse, tout ça? Ou est-ce qu'on s'est fait arnaquer? Non. Enfin, je crois qu'on s'est fait arnaquer. Parfum de rose. Effectivement, parce qu'il y en avait le majordome qui était complètement stupide, qui avait pris mes potions, qui les avait foutu à la poubelle. Ce qui m'avait foutu un petit peu les boules. Ce qui m'avait foutu un petit peu les boules, effectivement, j'ai pas de potions. Je suis au frigo voir. Non, j'ai pas de potions. Donc ouais, j'ai bien tout perdu. Je me suis fait totalement arnaquer. Mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Mais depuis, on était pas retourné voir un petit peu ce qui se passait. Est-ce que je clonerais pas un objet tout bêtement? C'est peut-être plus simple que commencer à manger tout ça. Vas-y, mange pas. Prends-moi une petite potion. Et c'est vrai que du coup, faut que je regarde ça. Parce que niveau âge, on en est ouf. Voyons vers ça. Niveau âge, comment ça se passe? Est-ce que tout va bien pour eux ou pas? J'oublie à chaque fois, c'est absolument horrible. Je me souviens jamais du où il faut appuyer. Ok, de ce côté c'est bon, Lisa a bien vu, c'est pas très grave. Stéphane vient de grandir, ok. Stéphane grandira combien de temps? Dans 5 jours, ah oui, c'est très très rapide ça. C'est très très rapide, bon, on verra. Dans tous les cas, t'as ta petite potion, on est reprends une avec toi. Boum, soyons fous. Prends-en quelques-unes avec toi, c'est toujours bon à voir. C'est plutôt pratique. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est quand même aller se coucher, je pense. Du coup, qu'est-ce que je fais? Non, peut-être pas gaspiller de potion comme ça. Va plutôt manger comme ton poulet, tu vas faire un dodo. Attendez, t'es aux toilettes ou pas? Il fallait que t'ailles aux toilettes, c'est juste, je vais complètement zapper. Comme ça on ira dormir, il faudra passer la nuit, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tôt quand même pour ouvrir le restaurant. Peut-être pas déconner non plus. Bon, Nifex, c'est pas que ça fait un peu longtemps là quand même, il faut peut-être te dépêcher un petit peu. Pourquoi ça remonte aussi lentement? C'est quoi ce lit tout pourri? D'accord, c'est un lit tout pourri de compétition. Tu vas te réveiller, c'est n'importe quoi. Au pire, ah c'est bon, ça a remonté un seul coup. C'est assez bizarre, ça a été très lent. Alors certes, c'est pas un bon lit, mais quand même de là être aussi lent. Ça me paraît bizarre, mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, t'es tout bon. Ce qu'on pourra faire, c'est vite te divertir un petit peu. Tu joues un petit peu leur disque, c'est assez efficace. Et puis on part au restaurant, histoire de faire une bonne journée de travail, bien comme il faut. Enfin. Le travail de Lisa commence dans 1 heure. Bah écoute, essaye d'optimiser un peu tout ça. T'en étais où niveau travail? Je ne sais même plus. Patrouilleuse des planètes, ranger d'espace niveau 8. Bah écoute, tu t'invites un petit café, ça te fera plus grand bien. Le petit café avant le travail pour avoir une bonne promotion, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace à emporter. N'importe où, on s'en fout. Café avant le travail, dépêche-toi. Caroline, tu ne travailles pas aujourd'hui dans 2 jours. Nifex, pareil, dans 24 heures. Le problème, c'est que Nifex, j'arrive pas à le faire passer parce qu'il manque mettre au monde un bébé. Et ça fait tellement longtemps que j'essaie de le faire. Et il n'y a pas moyen, quoi. J'arrive pas à faire mettre au monde un bébé. J'espère que ça finira pas à venir, écoutez. J'y crois. Bon, Nifex, c'est bon, divertissement. T'es plus que bien, donc tu peux arrêter. Parle-lui un petit peu, tiens, faire remonter un peu ton niveau social. Mais c'est pas forcément important parce que au restaurant, ça ira. Demander à jouer dans la fontaine, non, on va essayer, on va passer ça. C'est que ça dit à propos du piano, voilà, quel genre de choses. Et attends, t'habiter, tout à fait, Nifex, t'habiller surtout. Parce que t'habiter, c'est pas la même chose, ça ne veut rien dire. Alors t'habiller certainement, par contre, parce que forcément, on part Gertel. Ah, mais elle est partie au boulot, c'est juste. Bah, du coup, Nifex, tu pars aussi, y'a plus rien à faire à la maison. Allez, on part au restaurant, juste sans qu'elle puisse partir. Attends, si j'appuie direct là, je crois que ça se téléporte. Juste attendre de la voir partir, vas-y. Je te laisse partir, c'est absolument rien, mais bon, c'est juste pour le fait de la laisser. Et voilà, pas mal perdu, j'ai l'impression. Elle va assez bien. Allez, c'est bon, là, tout ce qu'il faut. Au délice, on y va.
Alors, bienvenue au restaurant. Enfin, une fois que je regarde, il sait qu'il y a eu tellement de propositions excellentes par rapport au nom du restaurant. Enfin, et je pense que je vais pas regarder ça maintenant. Enfin, le prochain épisode, j'essaierai vraiment de le faire. Parce que je lis tous vos mails, je reçois, enfin, vos commentaires, je reçois un mail à chaque fois que j'ai un commentaire. Je les ai tous lus, mais c'est que. Non, c'est juste que je suis à jour pour les réponses. Normalement, enfin, bon, sauf pour les noms, forcément, j'ai pas répondu, j'ai juste regardé les mails. Et effectivement, il y a des trucs vachement sympas. Donc, je pense que le prochain épisode, faut que je le fasse absolument. Faire un petit listing, je vais faire une petite liste, voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis, essayer de voter pour celui que j'ai préféré. Parce que franchement, il y avait des trucs vachement originaux. Bon, ça pour le moment, on s'en fout, le nom c'est pas très grave. Est-ce qu'on essaie d'aménager un petit peu, quitte à faire, vu qu'on est là, autant essayer d'aménager encore un petit peu, petit à petit, essayer de faire un peu la décoration. Parce que mine de rien, ça manque de plein de. Ah, c'est un peu fluo, luminescent. Ah, c'est drôle. C'est drôle, mais bon, c'est peut-être pas trop dans le genre. Genre un truc un peu comme ça, mais bon, faut le truc de sortie. Non, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Par contre, au niveau de l'extérieur, je pourrais mettre ça avec mon logo éventuellement. C'est vrai que tu mets genre ça, avec la signature à côté. C'est le genre de truc qui rend plutôt classe. Par contre, j'aurais pas la place, je crois. Effectivement, j'ai pas la place malheureusement de le mettre. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est dommage. Parce que si je mets là, ça fait peut-être un peu trop. Ouais, au pire, ça dérange pas plus que ça. Je vais changer au niveau des couleurs. Par contre, ça c'est clair. On est sur une teinte plutôt brun. Peut-être un brun orangé comme ça. On peut rendre. Ah, attends, il y a des trucs vachement cool. Parce que montre-moi par rapport à la maison en fait. Enfin, par rapport à l'immeuble. On a un peu du brun. Peut-être un peu plus foncé s'il y avait. Moi, c'est qu'un peu plus foncé, c'est pas juste le bas. Ouais. Le seul brin qu'on a en bas c'est celui-ci. Non mais allez ça, franchement c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est ça. Du coup on va partir là-dessus aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut en mettre un au-dessus? Ça fait pas très beau. Ça fait pas très beau, donc on va prendre plutôt un truc comme ça à limite. Est-ce que si je le mets au-dessus? Non, ça fait très moche, on est d'accord. Bon bah laissons ça juste pour l'entrée en raf. C'est bien de ce côté non plus. C'est que c'est un peu con quoi de mettre ça juste comme ça. Ça fait un petit peu bizarre, donc non on laisse. Sortie de secours, ça aurait été cool de la mettre. Non, je crois qu'il doit être par ici, si je dis pas de bêtises. Il doit être par ici, sortie de secours, exactement. C'est un peu, c'est pas très esthétique, mais c'est obligatoire. La loi l'oblige. Est-ce qu'il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs couleurs en plus. Il y a du version blanche qui est peut-être mieux. Effectivement, qui est quand même plus discret que l'autre. Parce qu'on sait que la version noire est pas forcément top. Tac, c'est bien ça. Petite version blanche. Donc, sortie de secours, c'est obligatoire. Ensuite, porte-épices. Pour la cuisine, on a ménagé ou pas? On a fait un peu un truc à l'arrache en posant tout ce qu'on avait trouvé sans nous. Du coup, poser ce genre de choses là-dessous, ça pourrait être intéressant. Voir au-dessous. Enfin, éventuellement, mettre deux, ça peut rendre assez bien. Souvent, tu les mets. Si t'avais encollé deux l'un parfaitement là. Ah zut, annulé. Genre, mettre deux d'un côté de l'autre, s'il te plaît. Après, c'est que c'est pas centré. Genre, à mon avis, il faudrait le mettre par là. Et du coup, si je peux placer l'autre juste collé. Bon, on pourra pas le coller parce que j'ai pas activé le code. Au pire, je peux mettre le code. Tu me diras, c'est vrai que j'aurais pu me mettre. L'attaque, non, c'est bon. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits juste de ce côté. Deux petits, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tableau noir. Il y a marqué quoi dessus? Ouais, ça pas trop trop. Tableau noir, promotion du sentier. Non, ça pas grand chose à voir avec la cuisine, on est d'accord. Menu tableau noir. Ah, ça par contre, c'est sympa. Mais pas forcément très très classe hein, par rapport au restaurant. C'est vrai que c'est peut-être pas trop le style, mais ça peut être drôle là au-dessus en fait. Genre, c'est pas un peu. Ça casse le côté classe quand même. Ça casse le côté classe, mais c'est vrai que ça fait très justement un peu le. Tu peux commander au-dessus. Bon, je le mets parce que j'aime bien ça. Mais clairement, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus classe au monde. Rose, ouais. Bon, bon, on laisse comme ça, on verra bien. On verra bien. Ensuite, la petite vachette. Ça faut que je la mette. Il faut absolument que je puisse mettre la vachette quelque part. Tiens, juste là. Tu as gagné une petite vachette, toute mignonne. Pas d'imitation, bois, fermeture. Ok, truc qui ne sert absolument à rien. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? Grappe. Ouais, si on veut faire un bureau, ça peut être sympa, mais bon, là, en l'occurrence, ça ne sert à rien. On a toujours la version comme ça, mais bon, je trouve que c'est pas très très classe. Même si dans l'absolu, c'est vrai que ça peut quand même le faire. Bon, ça a déjà un ici, ça n'a pas trop de sens. Je l'ai laissé ça? C'est moche. C'est quand même moche. Je pense pas que je l'ai laissé. Je trouve que ça n'a pas trop trop de sens. C'est vrai que dans l'absolu, ça peut rendre bien, c'est quand même. Alors, ces petits panneaux comme ça. Mais bon, on va l'enlever, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, ensuite, on a des couteaux par ici qu'on n'a pas placé. Tiens, bah, c'est qu'on a mis tout ça. On n'a pas placé de couteau. Le problème, c'est qu'on a les murs qui nous embêtent. Est-ce qu'on pourrait les mettre. Comment on pourrait mettre ça? De toute façon, il faut que les couteaux, ça ait un sens. Même limite comme ça, je me dis. Récupère ici, ou alors carrément là, tiens, parfait là. Juste ici, ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien. On a plusieurs variants de couleurs. En version jaune. Allez, on veut des vrais couteaux qui coupent. Bien comme ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on en ref? Trait de feuilles mortes. Bon, c'est pas vraiment le genre de choses qu'on cherche. Alors j'ai mis là les trucs en plus, on a également les casseroles, je suis en train de me dire. Il y a plein de choses par là, du coup on aurait presque pu enlever ça. On aurait pu limite en enlever un, mettre des casseroles à côté. Genre faire, attends comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on mettrait genre comme ça? Après voir ce qu'on pourrait mettre par là par contre. Forcément il faudrait prendre quelque chose pour que ça ressemble à quelque chose. Oh tellement les caméras de surveillance. Il faut trop que je les mette. Il faut trop que je les mette. Genre on surveille les employés ici, ça ne rigole pas.
Ah non, du coup, vas-y. À la place de la vache. À la place de la vachette, faut que je mette ça. Je vais mettre des caméras de surveillance partout. Ça peut être tellement stylé. On va les garder en blanc, je pense. C'est ce qui correspondrait le mieux. Ouais, vas-y, en blanc. Un peu de discrétion. Ça, on peut surveiller nos employés. Le truc est tellement abusé. Le truc m'est tellement abusé, vas-y. On pose les caméras de sécurité. Tac, on va mettre quelques-unes par-ci par-là. Parce que nous, on veut de la sécurité dans ce restaurant, mesdames et messieurs. Nous voulons une sécurité accrue. Une garantie qu'il ne nous arrivera rien. Vous êtes en sécurité chez nous. Tiens, une dernière par ici, vraiment sur les bords. Parfait. Oh, le truc, c'est la prison, quoi. Le truc tellement sécurisé, totalement abusé. Et carrément une derrière. Parce que bon, pas les conner. Nous, on a dit qu'on voulait la sécurité. Comme ça, c'est pas mal. Truc bien abusé, mais on aime. Au pire, j'aurais pu placer ça comme ça. Histoire de... Attends, est-ce que je peux monter manuellement? Un petit peu plus, voilà, comme ça. Et au pire, on verra ce qu'on peut mettre. C'est vrai que ça manque de décoration, c'est que vu que les murs sont très hauts, voire même peut-être très hauts, Ah, c'est qu'on avait la lumière. À voir. On pourrait mettre une affiche de cuistot, genre pour les motiver. Rappelez-vous qui est votre grand dieu des cuisiniers. Vas-y, le truc qui veut rien dire. Ah, moi je le veux, moi je le veux, tu me prends. Vas-y, descends ça un petit peu, comme ça, ça ira mieux. Après, faut manuellement le monter un peu, tant c'est trop bas. Voilà, comme ça. Le grand chef des cuisiniers. Attends, est-ce qu'on le met au centre? C'est un petit peu haut, un petit peu haut comme ça. Ah, c'est sympa, ça me paraît pas mal. Il y a plusieurs variantes. Non mais quand même contrasté, je pense qu'en noir comme ça, ça me plaît plutôt pas mal. Ah, ça qu'on était temps, mais c'est sérieux, c'est moche ça. Ça c'est moche, ça qu'on est parti juste sur la signature en fait là. Donc au pire, c'est vrai que c'était pas très classe d'avoir ça. Au pire du pire, attends, est-ce que je peux récupérer s'il vous plaît le... Je vais juste récupérer ça, la signature. J'arrive pas à prendre la signature. Ah, pourquoi? Dégage signature. Ah, je me suis fait avoir. C'est pas grave. J'en reprends un nouveau. Je te copie ça. Tac. Et toi, tu dégages. On ne veut plus aller à la maison. Voilà, comme ça, c'est bon. Et c'est vrai que du coup, peut-être partir sur la version noire, qui est peut-être plus classe. Mais bon, ça ne correspond pas avec le reste. C'est ça qui me pose problème. C'est que ça ne correspond pas avec le reste. Au pire, on n'a qu'à garder celui-ci sur l'extérieur. Je récupère juste, par contre, le petit... tac. Non, mural. Ah, non. Je veux l'autocollant, s'il vous plaît. Panneau signature du chef, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Du coup, je le mets là. Et on est pas mal. C'est peut-être plus classe que l'autre. Peut-être un peu plus classe, ouais, ça me paraît mieux. Niveau barrière, c'est qu'on a également un truc qui pourrait être intéressant à voir. C'est qu'on a différentes barrières, mais c'est que la dernière qui est sortie. Attends, montre-moi ce qu'on a d'autre. Un petit peu comparé. Ah bah, je vais pas mettre de barrière, mais je me dis que finalement, faut de mettre une petite barrière, ça peut quand même donner un certain style. Et puis après, je vais en jouant comme ça avec. Ah, j'ai jamais fait gaffe à celle-ci, elle est cool. Bon, c'est pas du tout ce qu'on cherche là, mais j'aime bien le principe. J'aime bien l'idée. Et c'est qu'à voir si on prend finalement une barrière ou pas. Est-ce qu'on partira par exemple. Ouais, c'est plutôt vers l'avant du coup la barrière. Mais il faudrait respecter le style par ici. C'est vrai que genre, attends, est-ce qu'on peut me choper juste la barrière? Je pense qu'on fera plus tard. Parce que ça dépendra vraiment de ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire par ici. Parce que idéalement, tac, tu pourrais fermer. C'est juste là, j'avais rangé juste pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Ouais, à voir. Est-ce qu'on fera mettre la piscine, genre de choses? On verra bien. Si on n'est pas là pour ça pour le moment, il y a d'autres choses à faire. Ensuite, venez voir un petit peu ce qu'on a pu rajouter comme déco. Ah, c'est quand même pas glorieux, là, les tableaux là-dessus, je suis quand même pas convaincu. Je suis pas trop convaincu. J'aime bien l'idée, mais je trouve que ça correspond pas au style, mais bon, au pire, on verra. Au pire, on verra plus tard. Attends, regardons quand même un peu ce qu'on a par ici. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? De quoi on aurait besoin, surtout ça, la vraie question. Genre, faire un truc VIP. Genre, vous ne passerez pas. Oups, j'ai un peu tout cassé. Genre, la ligne d'attente, monsieur, veuillez faire la queue, vous êtes gentil. Attends, partant dans tous les sens, Ifex. C'est sympa, c'est parce qu'on cherche aujourd'hui quand même. Il faudra clairement mettre. Ah, attends, oh, tellement. Il faut qu'on se fasse un jardin. C'est juste, on n'a pas mis de jardin. Oh. Et dans l'absolu, ce genre de truc. Ouais, je pense qu'on va partir sur un jardin. Comme j'ai pu faire dans Vivre Ensemble, on a fait une petite. C'est l'épisode, le dernier épisode de Vivre Ensemble. J'ai fait une sorte de. Je ne sais pas comment ça, mais vraiment une petite zone jardinage. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose là. Clairement, ça pourrait être très très bien. Par contre, comment on pourra réaliser ça? Telle est la question. Je suis en train de réfléchir. À mon avis, il faudrait ouais, faire la même chose avec le sol, limite le poser. Ah, mais on peut peindre directement là, vu qu'on est contre la bordure. Ce qu'on peut faire simplement, c'est peindre en fait. C'est plus simple. C'est quand même plus simple. Peindre de la terre, genre à l'arrache comme ça. Et tu après, tu remets par-dessus tout ce que tu veux. Ça me paraît quand même plus simple à faire. Vas-y. Voilà. On met la peinture, on mélange un petit peu de tout en faisant gaffe à la dureté. Comme ça, on peut voilà, alterner un petit peu, mettre un peu de verdure quand même. Ne pas trop exagérer, mettre un petit peu de sable. Bon, j'ai un peu trop de dureté. Ouais, j'ai trop de dureté à se tomber. J'ai beaucoup trop de dureté. Donc la dureté, en fait, c'est le. Moins il y a de dureté, moins ça va être s'imprimer. Tu vois, là, ça prend beaucoup moins. Donc justement, tu peux le passer plus facilement sans que ça efface. Si j'ai une dureté à 100%, ça va complètement effacer la chose. Et si je l'ai tout en bas, ça va beaucoup moins fin. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut placer? Non, c'est pas mal comme ça. Je mets une petite couleur que ça a. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc ensuite, on va pouvoir mettre tout ce qu'il faut. Avant tout, je vais mettre le code. Parce que forcément,
sera plus pratique pour mettre les fleurs. Autrement, on doit les espacer et c'est pas marrant. Bébé Buff Object On, voilà qui est fait. Voilà, donc tu montes les petites fleurs. On va montrer les petites fleurs. Et c'est vrai qu'on va se faire un petit jardinet sympathique comme ça. On pourrait partir sur une base à l'arrière. Genre limite se faire toute une lignée de base comme ça. Parce que forcément c'est quand même assez conséquent. Je pense limite. J'ai juste peur que ça soit trop répétitif. Est-ce que si je les colle... Ah là là. J'hésite. Est-ce que je pourrais les coller directement? Tout dépend de ce que je recherche. Alors je me suis fait une petite lignée. Alors forcément c'est très répétitif puisque j'ai rien d'autre. Mais là l'idée en fait c'est de rajouter des fleurs devant fond. Acheter des petites fleurs par-ci par-là. Il sort un petit peu de couleur à tout ça. Et c'est ça qui va faire la différence à mon avis. Alors, à voir, on va s'en rendre un test. Faut voir pas ce que ça rend. Enfin, mais je pense que ça peut être plutôt sympathique. Vraiment alterner plein de trucs. Le problème c'est que pas non plus faire trop dans tous les sens. Je ferais trouver un bon compromis. Et c'est pas mal comme ça. On a une petite lignée. Alors c'est très très boisé. C'est pas du bois, hein, on se comprend. Très fleuri. Truc qui veut rien dire. N'utilisez pas ce terme ailleurs que chez Nifex, ça ne veut absolument rien dire. Mais j'aime bien l'idée en fait, c'est histoire de créer ça. Juste peut-être ajouter encore. Qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est mettre une petite lignée pour que c'est un peu moins contrasté, mais bon, c'est, le problème c'est que c'est très 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 fort ça. C'est une grosse. C'est que c'est, ouais, tu vois, c'est pas très discret. C'est pas très très discret. Éventuellement mettre quelques-uns, mais bon, du coup ça va faire un truc. Au pire, sur les petites zones, là où c'est un peu trop brun. Un petit peu comme ça, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Là, ça manque de fleurs, j'en rajoute. Ouais, ça peut avoir l'idée. Ce que je peux faire, c'est également après modifier au niveau du sol. Simplement remettre un petit peu plus de verdure. Genre tac, par exemple ici. Bah non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, moi je veux le spray qui se trouve juste ici. Reprendre peut-être un spray bien vert. Genre tac. Ouais. Quoique. Est-ce que j'ai la gomme? Pire pour gommer simplement, voilà. Je peux gommer la zone. Tac, bah c'est mieux comme ça. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu exagéré niveau brun. Peut-être pas trop non plus. On va quand même garder un petit peu de brun. Autrement, c'est tristounet. Bah, c'est juste l'attaque. Après, c'est que j'ai une dureté de combien? Ah, j'ai une dureté trop forte. C'est pour ça. Baisse-moi la dureté. Attends, c'est bien ça la dureté? Ouais, c'est ça la dureté. J'ai eu peur d'un coup. Ah, que ça, on est pas mal. Comme ça, on est pas mal. C'est un peu plus doux. C'est parfait. Ouais, sympa, une petite zone. Voilà, bon, c'est un peu répétitif. Mais ça va, franchement, j'aime bien. Peut-être juste encore de ce côté que j'aurais pu mettre. Dans une petite fleur, une petite connerie. Est-ce qu'on a pu mettre, je sais pas, un truc au pire dans le coin? Non, ça fait bizarre. Bah dans le coin, en fait, j'ai rajouté des herbes comme ça. Bah, j'ai envie de remplir un peu la zone, mieux. On va laisser comme ça. Franchement, c'est pas mal. Après, il y a des lumières, il y a plein de petites choses qu'on peut placer. Et ça, on verra plus tard. On a les cailloux, on a les petites fleurs, j'ai un petit peu. Des arbres également, il faudra placer éventuellement. Enfin, c'est vrai qu'on a pas trop d'arbres par ici. Peut-être mettre justement des bons gros arbres comme ça. Tu vois, genre un arbre là, ça peut être très sympa. Juste trouver lequel qui peut aller. Ouais, j'hésite. Peut-être un gros truc, un truc bien mastoc, genre comme ça. Juste en face. Ça redonne un peu d'ombre à la zone. Ah, moi j'aime bien. Un petit peu trop boisé, je pense. Un petit peu trop boisé, peut-être. Ça, c'est un peu trop mastoc quand même. Ça, c'est un très bel arbre qui correspondrait bien à la zone en plus. C'est l'avantage qu'il a. Est-ce qu'il va trop me cacher le restant? Allez, trop. Soit il faudrait mettre vraiment sur le coin. Juste pour cacher un petit peu, tu vois. Pour donner un petit côté plus boisé. On peut laisser comme ça pour le moment. On verra par la suite si on le laisse ou pas. Et c'est vrai que là, pour le moment, ça décore un petit peu parce que c'est quand même très très vide. Moi, j'aime bien. Petite décoration par là, pour faire mettre aussi autour peut-être d'autres choses. Je sais pas que c'est non plus trop répétitif là, qu'on fasse partout la même chose, parce que c'est vrai que c'est des grandes zones. Et ici après on pourra mettre peut-être des fontaines aussi, c'est vrai qu'il y a un petit jeu de fontaines par là, ça pourrait être sympa. Enfin bon, ça on verra plus tard, c'est quand même un moment que j'enregistre déjà sur la déco, et je vais plutôt jouer avec le restaurant, donc je pense qu'on va se laisser là, enfin c'est là, on va arrêter de faire la déco, plutôt partir sur le jeu du restaurant. Juste peut-être voir, peut-être quelques tableaux, quelques bêtises du genre. Parce que le problème c'est que c'est vrai qu'un restaurant bien décoré ça donne des points de plus en plus. Ce qui pourrait être bien utile pour nous. Forcément il faut un truc qui est plutôt... non c'est pas assez. C'est pas assez fort, c'est vraiment des tableaux qui ont des bonnes qualités. Alors c'est pas forcément joli. Enfin bonne qualité on se comprend dans le sens où c'est beaucoup de... Qu'on appelle ça d'environnement, voilà. Ça coûte cher. Mais on a l'argent pour... Mais c'est moche quoi. C'est super moche. C'est le problème. C'est le problème. C'est, regarde ça, c'est dégueulasse. Je peux pas mettre ça. Je ne peux pas mettre ça. Bon pire. Pas fan, mais il me faut un peu plus de qualité dans l'environnement. Donc au pire, j'ai qu'à mettre ça pour le moment. On verra par la suite, on peut mettre autre chose. Je sais pas, genre des... Ah, au pire, on peut mettre ça là. Ça dérange pas trop. Et ça a combien de... Bon, ça a que 3 d'environnement, c'est pas non plus fou. C'est pas non plus folichon. Tiens, au pire, vas-y. Je pose un peu de trucs comme ça. Je suis pas vraiment fan, mais c'est vraiment pour réussir à avoir ce qu'il faut autour. Par contre, là, clairement, on pourrait partir sur du blanc. Et bon, ça contraste pas des masses. Y a pas une version noire, car t'es quand même mieux. Clairement la version noire j'ai préféré. Ouais non malheureusement bon et pire.
Au pire, laisse comme ça pour le moment, on verra pas la suite. C'est juste vraiment pour avoir un peu plus de qualité dans l'air. Et puis encore un dernier petit truc qu'on a pu mettre par là. Un truc qui a pas mal d'environnement, non, ça a très peu d'environnement ça. T'as pas un truc qui déchire niveau environnement et qui est joli? Le problème c'est que c'est que des trucs plutôt rétro. Ah, il y avait ce genre de choses aussi que j'aurais pu placer. Le problème c'est que c'est très gros, enfin. C'est très gros, c'est l'inconvénient. C'est quoi, pour essayer de placer sans endroit ça aurait été sim, mais bon, ça rend assez bizarre. Ça rend assez bizarre. Et autrement, on a également les tableaux. C'est vrai que du restant, il y a des tableaux qui étaient fournis. Ils sont mastoc, ils sont pas forcément extraordinaires, mais ils ont l'avantage d'être ce que je recherche. Attends, il y a une autre version là, parce qu'en changeant les couleurs, avec le cadre ça serait mieux. Est-ce que ça serait mieux? Forcément j'ai changé les couleurs, bon, un petit peu ce qu'on a. Ah, mais le problème c'est que c'est vrai. C'est que du coup on casse un peu la couleur. Mais par contre franchement ils sont stylés, ils sont grave stylés. En version plus jaunâtre, tac, qui correspond avec le style. Ah, moi j'aime bien. Bon, en fait c'est un peu n'importe quoi, là, ce tableau il a strictement rien à faire là. Il est très moche, ça c'est aussi très moche. Ah zut, Nifex, casse pas tout. Ça aussi c'est très moche, ça c'est très moche, ça c'est très moche. Bah, c'est qu'est-ce que j'ai autre chose? Attends, si je fais un filtre, juste voir s'il y a autre chose par rapport au pack. Par rapport au pack au restaurant, ou autrement au pire on les gardera. C'est vrai que je suis pas très très fan. On a des versions comme ça qui peuvent apporter un petit touche de modernité au pire. Ouais, bon, celui-ci, je suis pas fan quoi. Je suis pas très très fan. Par contre, celui-ci, on pourrait le placer là. Tac. Voir après niveau couleur. Jaune, ça va, c'est pas mal, parce que ça va bien avec le reste. On a le tableau là, c'est quoi? Grande décoration. Oh, c'est stylé. Il y a moyen de donner un peu de forme à tout ça. J'avais pas fait gaffe. Effectivement, il y a moyen de donner des petites formes à tout ça. Bon, moi, niveau couleur, je sais quoi la différence. C'est la hauteur, ok. Donc, c'est celui-ci qu'il me faut a priori. Et niveau couleur, il y a plein de variantes. Il y a moyen de faire des choses très sympas. Oh, carrément. Bon, après, c'est spécial, tu me diras. C'est spécial, mais j'aime bien l'idée. Sinon, il faudrait trouver un truc qui aille bien. Bah, celui-ci, ils se font assez bien avec le décor, justement. Ils se font assez bien, je trouve. Alors, c'est assez particulier, mais on peut réussir à donner une petite ambiance, changer un peu l'ambiance de la salle. Bon, là, en l'occurrence, ça va pas du tout avec le reste, mais ça a de l'idée, on va dire. Ça a de l'idée, mais c'est clair que ça va pas le faire. Donc, je les enlève, mais c'est sympathique, franchement. C'est sympathique. Est-ce qu'il y aura autre chose qu'on a pu placer? Bon, au pire, on laisse comme ça pour le moment, puis on verra par la suite comment on peut faire. Il y a déjà au moins une base, quelques petits tableaux, le minimum vital, ça manque encore plein de choses, mais bon, au moins il y a le minimum, histoire que ça améliore un petit peu en fait par rapport à l'environnement de la salle, du restaurant, pour que les gens mettent des bonnes notes. Et juste dans la salle de bain, au pire on aurait pu mettre ça également. Genre tac, ça fait un petit environnement sympa. En plus j'aime bien ce tableau. Et j'aime bien, juste voir au niveau de la couleur par contre, je pense comme ça, histoire que ça aille avec la couleur du reste, tac en noir. Ah, ça rend pas mal. Ça rend pas mal, j'aime bien. Il y a encore plein de choses à faire. Et niveau décoration, ça manque clairement énormément de choses. Mais au moins, il y a une base. Du coup, on va partir en mode vie, histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, comment va-t-il, Unifex? Où se passe bien le meilleur des mondes? Est-ce qu'on l'ouvre direct? Attends, d'abord, on va aller au niveau des employés. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer par le jeu? On s'est pas fait arnaquer par le jeu. Mais quand c'est... Ah, j'ai qu'un seul cuisinier? Dans le serveur actuel, j'en ai qu'un. Qu'est-ce que... Ah, je confondais. Parce qu'avec la famille live, c'est avec qui on joue en live, justement. On avait plusieurs... Je crois qu'on avait deux ou trois emplois, trois même je crois qu'on avait fait de serveurs. Ah, donc non, en fait on a perdu personne a priori. Ça a l'air d'aller. Est-ce que je peux faire une promotion? Niveau 2, niveau 3. On va le faire passer niveau 2. Que ça, ouais, prenons voir niveau 2. Ça c'est le minimum. L'autre est à niveau 3, on va la laisser je pense. Et monte-moi le reste. Ok, il est content. Une promotion pour moi, oui bien sûr, il était temps. Enfin je veux dire, merci monsieur 8, c'est un honneur. Bah écoute, tant mieux. Du coup t'es niveau 3 à présent. Enfin, t'es niveau 2, toi t'es niveau 2 également, donc c'est bon. Ensuite, toi, au niveau du service, t'es niveau 2, on va te laisser, parce que t'es pas non plus folichon. Et enfin, le cuisinier, pareil, niveau 2, enfin, ok, donc tout est bon. Niveau formation, je peux pas le faire depuis ici, il faudra qu'on les fasse tout à l'heure. Bon, bah écoutez, il faut ouvrir le restaurant okay. Pour voir ce que ça donne. Allez, ouverture du restaurant. On va croiser les doigts, ok, direct. Il n'a pas perdu de temps, le monsieur, il est plutôt efficace. Comment vas-tu? Jérémy Nicolas, est-ce que je peux te former un petit peu? Payer formation courte, allez, go, perds pas de temps. Chacun, du coup, il n'y a pas beaucoup d'employés, c'est relativement facile à faire. Gérer Manon, très cher Manon, payer une formation. Allez, formation courte, tout le monde fait la même chose. Et ça ira très bien. Du coup, j'ai combien d'employés? J'en ai 4 ou 3. 4, je crois. Une formation courte, et voilà, 4ème. J'ai 2 cuistots, c'est juste. En fait, j'ai qu'une seule serveuse, c'est vachement peu. Payer la formation. La formation approfondie, parce qu'on est des fous. On a même pas peur. Ok, donc ça c'est FF, ça c'est bon. Le restaurant est ouvert, on va voir s'il y a du monde qui vient. On a de l'argent, de toute façon, c'est pas un souci. Ce qu'on pourra faire pour optimiser le tout. Pas grand chose finalement. Niveau table, on a quoi? On a des tables de. Combien on a de tables de 2? Parce que j'ai l'impression que c'est vachement important. On a deux tables de 2, d'avoir vraiment différents styles de tables. Parce que j'ai l'impression que des fois, quand en fait, ils sont 2, ils veulent absolument une table de 2. Si t'as que des tables de 6, ils veulent pas y aller. Alors est-ce que c'est le cas ou pas? Mais j'ai cette impression. Une formation extérieure, ok, bah on fera ça. Du coup, peut-être mettre plus de tables de 2. Parce que j'ai peur que ça me pose des soucis à ce niveau-là.
C'est vrai qu'au pire du pire, après il prend pas tout d'un coup. Enfin, si tu fais comme ça, il te duplique pas tout d'un coup. Ah ok, je pense F. Je pense F. Du coup, plutôt qu'avoir en fait 6 et 6, est-ce qu'on partirait sur 2 et 2? Étape de 4, on en a plusieurs ici. Ah, j'hésite. J'hésite. Ou alors là, au pire, on pourrait mettre 2 tables de 2. Comment on pourrait mettre ça? Genre si on les mettait comme ça. Je fais des tests, écoutez. Histoire d'avoir juste un petit peu plus de tables de 2. Est-ce que c'est important ou pas? Je ne sais pas. Mais à voir. C'est toujours un peu plus de place. Tac, ça peut être sympa comme ça. Là, juste là, ça dérange pas trop. C'est centré. On peut du coup mettre ça au centre. Non, ça a dérangé. Mets-le là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. Ok, on va laisser ça comme ça. Du coup, on a une nouvelle table. Bonjour, mesdemoiselles. Objectif, réussir à passer à 4 étoiles, ce serait cool. Ça serait cool, on est à 2 étoiles. Enfin, 4 étoiles, on est qu'à 2,5 pour le moment. Enfin. Mais on va essayer. Alors, gestion, accueillir. On m'a dit qu'il fallait accueillir pour aider le Sam, c'est pas du tout le cas. En fait, quand toi tu cliques sur accueillir, c'est juste pour dire bonjour, soyez bienvenue dans le restaurant, c'est tout. Quoi. Tu vas pas les placer. Parce qu'effectivement, des fois j'avais des problèmes de placement de personnes. Il m'a dit t'as qu'à les accueillir directement. Mais non, c'est juste pour leur dire bienvenue au restaurant, c'est tout. Tu vas pas les placer. Ce qui fait une grosse différence. Enfin, je dis ça, mais je vais quand même contrôler, mais je suis sûr à 99%. Fantastique, exactement ce que je voulais, aller en cours pendant mon temps libre. Je crois qu'elle a pas trop apprécié. À mon avis, elle a pas trop kiffé. Plus de choix, non. Viens l'accueillir, s'il te plaît. Gestion accueillir. Prochainement, là, on voit Nifex qui vient. Il va accueillir justement Vladimir, si je fais pas de bêtises. Et il va juste lui dire bienvenue. Toi. Donc, il est content parce qu'il y a un service parce que justement, j'ai dit bienvenue. Mais il le place pas. Toi, il a fini. En fait, c'est vraiment juste ça. Tu peux pas placer les personnes, tu peux pas cuisiner, tu peux rien faire. T'es juste là pour dire les conseiller, leur dire bienvenue, puis c'est tout. Y'a pas beaucoup plus à faire. C'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment tes employés qui doivent être hyper bien formés. C'est ça qui fait la réussite de nos restaurants, enfin. Alors, c'est bon, fou. Ok, tout le monde qui parle. Est-ce que tu veux bien les placer? Bon, du coup, en attendant, moi, j'ai en profité pour quand même essayer de faire ce qu'il faut, à savoir accueillir tout le monde. Histoire qu'ils disent, waouh, un très bon service ici. J'aime ça, fin. Alors, ça se passe plutôt bien, enfin, plutôt bien. Il y a au moins déjà 3 tables d'assis. Est-ce que tu les as tous accueillis? J'en suis pas sûr. Faut que j'ai conseillé également faire tout ce qu'il faut. Enfin, plus de choix, non, si tu les changes. Et que contrôleur d'esprit, ça peut être drôle. Servir en priorité, accueillir, aller voir la table. Attends, on fait accueillir. Accueillir, on fait la base pour être un bon maître d'hôtel. Enfin, bon, c'est pas notre travail, mais bon, on fera avec. Aller voir la table. Que ça fera le taf. Ils sont contents. Je pense qu'on peut réussir à monter au moins à 3 étoiles, voire 3 étoiles et demie. Ça serait déjà pas mal. 4 étoiles, ça fait quand même beaucoup. Ça fait clairement beaucoup, 4 étoiles, mais qui sait, si on force un petit peu, peut-être, vitesse de préparation soigneuse, ouais, exactement ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut changer la carte? Aussi, bonne question. Est-ce que t'es bien en soigneuse? Ouais, t'es en soigneuse aussi. Le problème, c'est que t'es pas encore suffisamment élevé, non. J'hésitais à mettre un peu plus haut niveau, parce que montre-moi la carte déjà pour être sûr. Vérifier le menu du restaurant, on est en 4 difficultés. 3, 3, 3. On est en 3 partout. Je pense qu'on va rester comme ça pour le moment. Plus tard, on pourra passer en 4. Une fois qu'ils sont assez bien formés, on pourra passer en 5. Petit à petit, à mon avis, c'est la meilleure chose à faire. Ah, ça a déjà en train d'être servi, c'est plutôt rapide. Donc, moi, ça. Attention. En même temps, j'ai deux cuisiniers, je veux dire. Donc, forcément. Oh, pas mal ça. Par contre, c'est pas un dessert. Non, charcuterie avec fruits du monde au miel. Oh, ça me plaît. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Manger, apprendre à préparer la nourriture. Oh, j'aurais presque envie, mais on va pas le faire. Ouais, garnir. Non, non, touche pas. Et après, il va pas être content, le monsieur, puis ça va faire baisser notre note. Ouh, mais tout le monde est assis, donc. Il fait bien leur travail. Mais dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Gestion, accueillir. Effectivement, je parle. Et du coup, on a pas fait ce qu'il fallait. Accueillir. Et après, tu fais aller voir la table. Faire ça partout, comme ça, ils sont contents. Servir en priorité, peut-être pas tout de suite. S'il y avait une grosse table, je pense que ça peut valoir la peine de servir en priorité. Parce que du coup, l'avantage, c'est que ça fera beaucoup de monde qui aura une bonne note. Oh, évaluation améliorée, 3 sur 5. Du coup, je pense que c'est une table de 6, faut clairement les servir en priorité, comme ça, ça fera 6 notes d'un seul coup à la fin de la table. Parce qu'il me semble que c'est chaque Sims qui vote, et pas juste la table. Donc forcément, quand on a 6 d'un coup, il faut vraiment être sûr qu'il soit content. C'est plutôt important. Ok, il est venu avec son fils. Comment ça va? Contrôler l'esprit? Non, pas tout à fait ce que je voulais, gestion. Ah non, voilà, la mère aussi. La belle et sexy. Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais pas son nom. La très chère Sonia Gothic, bien entendu. La mythique Sonia Gothic des Sims. Allez, je passe vous voir. Je m'assure que ce restaurant est à la hauteur de vos attentes jusqu'à présent. Bah écoute, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Par contre, ils sont un petit peu éloignés. Gestion. Du coup, je pensais pas qu'ils pouvaient. Toi, donc je me suis trompé. Je pensais vraiment qu'ils prenaient des tables de 2 quand ils sont 2. Ils voulaient pas des tables de plus. Et là, pour le coup, ils sont quand même sur une table de 3. Donc, a priori, c'est qu'ils peuvent prendre n'importe quelle table. C'est vrai que souvent, ça passe sur terre que j'avais de la place. Donc, je pensais que c'était à cause de ça, mais a priori, non. C'est juste que de temps en temps ils faisaient n'importe quoi. Et il y a aussi la mise à jour qui est sortie l'autre jour, donc peut-être qu'ils ont un peu amélioré aussi le système. Forcément, vu que le pack était sorti précédemment, je pense qu'avec la mise à jour qui a suivi, ils ont dû faire pas mal de corrections de bugs. Ah bah attends, ils sont 3. Ah, du coup, ça casse ce que je viens de dire. À voir. Par contre, on peut les servir en priorité, clairement, justement. Aller voir la table, non. Est-ce que je peux les servir en priorité? Ils sont les 3 ou pas? Servir en priorité, on verra.
Bizarre, 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 mais on va tenter. Ok, ça c'est bon. Enfin, tout le monde a l'air d'être content. On a 3, 4, 4, 4. Oh, pas mal! Pas mal, on a pas mal de bonnes notes. Ah, ici, ils sont déjà partis. Je sais pas ce qu'elle a eu. Ah, on m'a dit qu'ici, ils pouvaient pas passer. Est-ce que c'est réellement le cas ou pas? Non, ça fonctionne, puisqu'on avait vu l'autre jour. On l'avait vu dans l'épisode de. Comment on appelle ça? De. C'était quel épisode? C'est que les princesses, je crois, je fais pas de bêtises. Les princesses ont construit sa ville, je ne sais plus. Et puis, elle était venue manger ici, puis effectivement, elle a pu passer par derrière. Il y avait la place. Donc normalement ça va être le cas. On va juste tenter. Si je vais nettoyer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut l'amener ici? C'est la vraie question, enfin. La vraie question existentielle que tout le monde se pose. Parce qu'on a dit qu'il ne pouvait pas à cause du mur. Mais on avait vu l'autre jour que ça marchait. Est-ce qu'il va l'amener ici? Vas-y Nifex. Fais ton taf. Voilà. 1, 2. Et plus rien. Pose-le. Est-ce qu'il le pose ici? D'accord, Nifex n'a aucun respect pour moi. Ah il va chercher. Bon, s'il va chercher, il n'y a pas de souci. Mets-le ici, s'il te plaît. Ah attention, on va voir en direct. Oh le Feli, il part de l'autre côté. Tu vas où? Qu'est-ce que tu nous fais? D'accord. Comme il a pris le truc. Vous êtes en train de manger, on s'en contrefou, nous on débarrasse. Ah oui, il peut venir. Il n'y a pas de souci, il peut bien venir et poser tout ce qu'il faut là. Donc ça fonctionne, ça, il n'y a pas de problème. Oh mais l'irrespect, comme il est venu, il leur a piqué la bouffe. Abusé. Gestion. Ah, je t'ai pas encore accueilli toi? Ça va pas ça? Il faut les accueillir plus rapidement, enfin. Absolument, gestion. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire pour te faire plaisir? Éventuellement, leur filer de la bouffe. Aller voir la table. Parce qu'ils sont bien 4, 4. J'hésite à leur filer de la bouffe en plus. Parce que vu qu'il y a cuisinier, on a deux cuisiniers qui font le taf, on peut faire un service assez rapide. Donc à mon avis, on pourrait tenter comme ça, essayer d'avoir un 5, qui sait. Gestion, offrir un dessert à la table. Allez, vas-y. Fais péter le dessert. Un dessert à la table ici. Et est-ce qu'on tente également là? Comme ça, on va peut-être réussir à monter à 5. Ok, ici, je peux pas. Je ne sais pas pourquoi, peu importe. Gestion, là non plus. Bienvenue dans mon restaurant, j'espère que tout se passe bien. Bah écoute, ça fait un moment qu'ils sont là quand même. Ça fait un moment. Est-ce que je pourrais te filer un dessert? Non, je pourrais te servir de dessert. Bon, au moins cette table. Au moins cette table, c'est déjà ça. Niveau point, on est où? 890. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec ça? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à prendre? À 900 points, serveur supplémentaire. Ça peut être intéressant. Mais bon, gourmet argenté pour boire, réduction, tout ça, on s'en fout. Bonne gestion. Ça coûte très très cher. Qu'est-ce qui aurait été plus client, patient. Ouh, ça c'est super important. Ça, je prends des directs. C'est hyper important, client patient. Parce que forcément, pour qu'ils restent là, client curieux. Incite vos clients à demander de temps en temps une recommandation pour leur recommander et débloquer la possibilité de donner des recommandations par l'intermédiaire de l'interaction sociale à recommander un plat. Ah, ok, il faut le prendre en bonus, ça, donc je prends. Et ça, c'est fait. Oh, 5. On est passé en niveau 5, là. On a un petit 5 qui passe bien. On espère que tout se passe bien pour nous. Du coup, c'est beaucoup de tables, quand même, comparé à la taille du restaurant. Je pourrais presque avoir plus de monde, mine de rien. On pourrait presque se mettre de faire un peu plus de pub. Parce qu'on a quand même la place pour. Mais c'est toujours risqué de prendre plus de. Sauf qu'on a qu'une seule serveuse. Oh, 5 partout. Oh, ça, c'est une bonne table. On peut pas... rien leur offrir. Montre-moi ça. Gestion, servir en priorité. Bon, écoute, servir en priorité. Non, c'est plutôt qu'il aurait fallu faire. Gestion, non, on a rien d'autre. J'aimerais même leur filer encore de la bouffe. Non. Oh, ce fail, vite. J'ai pas payé la facture. Oh là là, ce fail. J'espère qu'on va pas partir. J'espère qu'on va pas partir. Payer facture vite, Nifex. Tu payes immédiatement les factures. Oh, le restaurant irrespectueux, le restaurant sans électricité. Oh, ce fail magique. Les gens n'en ont rien à faire. Il n'y a plus de courant, on s'en fout. Nous, on est contents. Oh là là. Du coup, je fais quelques petits print screens sympathiques. J'ai mis Instagram. Sur Instagram, c'est Nifex8. Voilà, c'est revenu. C'est revenu, on a le courant. On est sauvé. On est sauvé. Il n'y a pas de souci. Donc 5-5, ça c'est bon. Attends, j'ai les murs. Avec moi les murs, voilà. Eux, ça ne veut pas monter. Sérieux, je peux rien faire pour vous. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un petit truc cool? Je sais pas. Offrir un dessert gratuit à la table. Bah écoute, allez, vas-y, soyons fous. Soyons fous, on te file un dessert gratos. De ce côté, toujours 4. C'est vrai que le fait d'offrir des desserts, ça marche vachement bien. Alors ça coûte cher, forcément, parce que le dessert, sa matière première, coûte quand même pas donné. Mais l'avantage, c'est que ça fait monter la note. Et ça, on aime. Rien de plus. Essayez de nos délicieux desserts, c'est gratuit. C'est la fête. Allez, vas-y. Oh, 5, parfait. Parfait, parfait. 5, 4. C'est en train de monter, mais j'ai pas d'autres clients, c'est assez bizarre. Il y a très très peu de clients aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien la pub qui est activée? Je suis en train de me dire, peut-être que c'est à cause de ça. D'ailleurs, la cuisinière, on pourrait presque la promouvoir, parce qu'elle est quand même vachement compétente. Niveau 3. Niveau 3, c'est que j'ai pas regardé en fait. Ils sont niveau combien? Elle est niveau 2 et lui niveau 2. Donc fais-le monter. Normalement, j'ai pas mis de promotion en fait. Ah non, c'est monté niveau 2, donc il était niveau 1. Donc faut vraiment le faire monter en fait. C'est vachement important. Histoire qu'il soit content. Toi, pareil. T'es niveau 2, donc tu passes niveau 3. On va faire ça. Je vais te donner l'ordre de faire tout ça, parce qu'autrement, ils vont pas être contents. Toi, du coup, tu passes peut-être pas comme l'autre. Non, reste en niveau 2. Une chose après l'autre. Toi, je te fais monter. Non, du coup, tu passes. Ouais, bon, ouais, soyons fous. Enfin, c'est que plus tu les fais monter, plus ça va coûter très très cher. Et après, tu te retrouves avec des salaires de fou furieux. Donc, quand même, faire gaffe à ça. Tac, ça c'est fait. Et nous, Aski, il ne reste plus que le maître d'hôtel qui a déjà été promu. Bah, c'est bon, au fond. Et en plus de ça, on a deux petits 5 là. Oh là 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 là, rêve ça la folie. 5, 5, 5. Et eux, ils sont combien?
Et eux, par contre, c'est pas trop cool. Elle est à 3, je sais pas ce qu'elle a, elle est un peu chiante. Une promotion pour moi, oui, bien sûr. Bah, écoute, bravo à toi, écoute, je suis content, enfin. Je peux rien faire pour eux, sérieux. Offrir un dessert à la table, direct, vas-y. Offrir le. Quoique, le dessert ou le repas. Offrir le repas, peut-être. Plus efficace. C'est quoi la différence? Offrir le repas, j'offre tout le repas entier? Je ne sais pas, entente. Ok, il y a lui qui est content également. Je file des promotions à tout le monde, ils sont heureux. Ils sont heureux. Lisa est rentrée à la maison, pas de promotion, ce n'est pas grave. Ah, attention, j'enfile leur fameux dessert gratos. C'est bon? C'est bien le dessert. Oh, oui, les desserts gratuits. Ils sont 5 partout, c'est bon. Et juste cette table qui est un peu plus chiante. En même temps, tu me dirais, ils sont assis, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. En plus, ils ont l'air de tirer la gueule. Ils ont pas l'air de passer un très très bon moment. Je pourrais pas faire quelque chose pour toi? Bon, tu passes en 4, c'est déjà ça. Offrir les boissons. Est-ce qu'on enfile encore un truc? Offrir un dessert, vas-y, je leur offre tout. On leur offre tout ce qu'on peut. Je vous achète. Donnez-moi des bonnes notes. Les gars, ils partiront en fake juste pour pas réussir à des bonnes notes. Mais c'est ce qui compte. Alors, de ce côté, on pourrait presque du coup arrêter de faire rentrer les gens. Parce que ça va être un peu long de demander une table, empêcher avec de nouveaux clients. On finira de servir ces clients là. Ok, alors, vous êtes les derniers. Vous avez la chance, du coup, vu que vous êtes les derniers, avoir une soirée VIP. Vous allez voir, c'est absolument génial. Qu'est-ce qui t'arrive? Pars pas? Tu vois pas qu'ils partent? Pourquoi il dit bye bye? Non, tu restes? Pas bouger, pas bouger, s'il te plaît, reste là. Gestion, aller voir la table, on fait tout ce qu'il faut. Fin. Oh, et du coup, on est passé 3 étoiles et demie. Ça déconne pas, effectivement, là-bas, ils sont partis. 2 tables qui sont parties, ça fait pas le même note avec 5 en plus. Est-ce qu'on peut atteindre les 4 directement? Ça me paraît quand même juste. Point fort, ambiance. Chant, l'ambiance, ça a vachement aidé du coup. Vu que j'ai mis des tableaux qui valaient assez cher, tout ça. C'est rare de leur avoir plus. Par contre, vous êtes gentil, c'est fermé le restaurant. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je dis c'était fermé le restaurant. Ils n'ont rien à faire. Ils ont sûrement rien à faire. Vous êtes toujours 3, vous. Pas moyen de faire mieux. Gestion, ça vient en priorité. Et on tente. Vous êtes sérieux, les gars? J'ai dit que c'était fermé le restaurant. Ils en ont rien à faire. J'ai fermé le resto. Autorisé à laver de vos clients. Non, ils s'en foutent. Ils viennent quand même. Les types s'assoivent. Tranquille, normal. Ils en ont aucun respect pour moi. Bon, bah, du coup, on les accueille. Mais sérieux, là, arrêtez de faire rentrer tout le monde. Ça va pas, ça. Arrêtez de faire rentrer tout le monde. Ça va pas le faire. Gestion. Ok, non, c'est bon, on a déjà fait. On a déjà fait. Juste aller voir la table. Histoire de leur montrer qu'on est serviable et qu'on fait notre taf. Allez voir la table. Oh mais arrête mec, sérieux, je vais te virer. Pourquoi il fait rentrer les gens? Mais t'es sérieux, arrête de faire rentrer les gens. C'est n'importe quoi. C'est bon, moi ça monte, c'est déjà ça. Mais pourquoi il fait rentrer tout le monde, ça je comprends pas. C'est hyper bizarre. Il y a encore du monde, il va encore les faire rentrer, tu vas voir. Bienvenue, j'espère que tout se passera bien. Bah moi aussi, écoute, Nifex est fatigué en plus de ça. Le problème c'est que j'aimerais récupérer les 5 là, les 5 étoiles. Éventuellement, dès qu'ils ont fini, je ferme. Au pire, dès que les 5 étoiles sont parties, c'est une possibilité. A voir. Gestion, qu'est-ce que je pourrais faire? Rien de spécial avec eux. J'hésite, j'hésite. Ah oui, 5, c'est normal, j'ai oublié. C'est normal, y'a pas de soucis. Tout va bien? C'est un petit peu fondu ton gâteau par contre, c'est pas pour dire. Gâteau vertical aux fruits. Bon, y'en a plus. Elle l'a fini. Est-ce que je peux vous aider un petit peu? C'est qu'il y a beaucoup de monde là quand même. Ça s'est bien rempli. Et c'est quand tu fais beaucoup de pubs, ça va être de la folie. Quand tu te retrouves avec plein de tables pleines, ça va être un petit peu bordélique. Alors gestion, allez voir la table. C'est bon, 4-4. On accélère un petit peu, puis on croise les doigts. Ah, ils sont partis, yes, c'est bon. Fin. Ils sont partis, du coup on reste à 3,5. On gagne plein de petits points, déjà 580, ça remonte vite, ça remonte très très vite. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer quelque chose d'intéressant? Influence augmentée, peut-être pas tout de suite. Serveur supplémentaire, ça pourrait être bien également. Ah, est-ce que je prends tout de suite? Est-ce que je prends tout de suite? Ça coûte cher, mais bon, en même temps on s'en fout de l'argent, on en a plein. Allez, vas-y, on prend le serveur de plus. On l'engage direct, comme ça je pourrais le former s'il vient. Quoi qu'il vienne le lendemain, je crois. Je crois pas qu'il va venir aujourd'hui, je fais pas de bêtises, on verra ça. Donc un nouveau serveur, est-ce qu'on a des gens compétents? Pas du tout. Qui on pourrait prendre? Rally? Ils sont tous mauvais, ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Bah écoutez, on va prendre une fille. On va prendre une fille. Allez, voilà, le truc bien sexiste. La serveuse, c'est une fille, on la prend. On a quand même respecté la mixité, si j'ose dire, dans les restaurants. On a un peu de tout dans le restaurant, donc tout va bien. Il n'y a pas de souci. Madame, Nifex a engagé une nouvelle serveuse. Est-ce qu'elle vient direct? C'est la vraie question. Oui, elle vient direct. Parfait, comme ça je peux te former, c'est l'avantage justement. C'est pour ça que je t'ai pris. Payer la formation courte, directe. Moi je déconne pas. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on finit de servir ces gens? Parce qu'il y a quand même des bonnes notes. Si on fait notre taf correctement, il y a peut-être moyen d'avoir quand même des bonnes notes. Ah, j'hésite à accueillir. Attends, on va faire notre table déjà bien, après on réfléchira à accueillir. Et aller voir la table, comme ça on a fait tout ce qu'il fallait. On pourra accélérer un petit peu. On a le service, on a tout le monde qui est là. Après, niveau qualité, on a quoi? Normal. La qualité est pas folle, quoi. Il faut examiner un petit peu la qualité des repas. On verra ça. Ils en accélèrent un petit peu. Il y a des 4 de toute façon. Donc, même s'ils me laissaient un 4, ça me va très bien. Ça me suffira. Parce que un 4, c'est de toute façon au-dessus de ce qu'on a maintenant. Donc, c'est de toute façon intéressant. On peut tenter, écoutez. On peut tenter, on verra bien. Par contre, si elle pouvait les servir, ce serait cool. Parce que j'ai l'impression qu'ils percent. Ah, ils sont partis. Ils ont mis un 4, je suppose, a priori. J'espère en tout cas. Parce qu'on accélère. Qui on peut servir en priorité? Où là, ils attendent? Ils attendent, ils sont pas contents. Ils sont pas contents par ici. Pourquoi ils attendent autant? Ça n'a pas de sens. Il y a 2 cuisiniers, il y a 2 serveurs.
Ça n'a aucun sens d'attendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Gestion. Servir en priorité, vas-y. De toute façon, ils ont déjà été servis. De toute manière, donc pas de soucis. Est-ce qu'on leur file... Oh non, c'est bon, on a leur filer 5. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Du coup, je peux accélérer tranquillement. C'est très bien passé, ma foi. Les autres sont servis également. Ils commencent à attendre, ça commence à les saouler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le prix, je pense. Parce que le prix est au minimum, il me semble. Je dis pas de bêtises, ouvert depuis 13h, on faut quand même fermer. J'espère que personne rentre, non, c'est bon. A priori, maintenant, c'est bon, le restaurant est fermé après ça. Enfin, dans le sens qu'il n'accepte plus de nouvelles tables. Allez, vite, serre tout le monde qui partent. Ils sont partis, j'ai eu un 5 à 4, je crois, si je pas de bêtises. C'est pas trop mal. Nicolas Fort commence à être fatigué de travailler depuis si longtemps. Effectivement, ça fait très longtemps, d'accord. Il reste juste deux tables, si tu peux tenir, ce serait génial. Si tu réussis à tenir les deux tables, je vais pas leur filer de plat. On va juste finir qu'ils nous fassent un petit 4. Avec une petite 4, peut-être qu'on peut réussir à monter à 4 étoiles. On peut y croire. Alors, écoutez, y a pas de raison. Ah, tout le monde est crevé. Est-ce que je les laisse finir ou pas? J'ai peur qu'ils tirent la gueule après les employés. J'ai peur qu'ils tirent la gueule. Est-ce que je peux leur dire de partir? Pas moyen de leur dire de partir. Gérer Manon, faut licencier, fait critiquer. Non, on peut pas dire de partir juste pour la journée. Ouh, les 4 étoiles! Yes! Effectivement, 5 et 5. Ça passe bien, ça. Ça passe bien, parfait. Vous avez fini ou pas, vous? Au pire, on ferme le restaurant, vas-y, c'est bon, tac, on ferme. On s'en fout, on a nos 4 étoiles, c'est cool ça, c'est parfait. Vente, est-ce qu'on est en positif? On est en positif en plus de ça, 228 sims plus de bénéfices. Bah, c'est pas trop mal. Alors, ce qui est point fort service, point amélioré, touche personnelle et qualité du repas. Il faut améliorer tout ça. Essayez d'interagir davantage avec vos clients, ils apprécieront les petites attentions du propriétaire. Pourtant, je leur parle quoi, je leur parle à fond. Mais bon, ça s'est bien passé, je suis content, écoutez, on est passé à 4 étoiles. On a un bien beau restaurant, bah c'est parfait tout ça. Bah, du coup, les amis, on va cesser là, je pense que ça vous aura plu. Pensez à ces plein de petits pouces bleus, puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!